Bon, famille, l'info, elle est confirmée. Hein. Vous savez, je vous disais, moi, quand on me donne une information, je prends mon temps de vérifier. Et comme tout le monde m'appelait, le, susp le suspense était trop. Donc, euh, nous apprenons que Granco a été arrêté du côté du Libéria par la police libérienne. Voilà. Donc pour l'instant, il n'est pas dans les mains du, des bandits du CNRD. Et comme je vous le dis, j'avais déjà des infos il y a quelques jours qu'il était souffrant, qu'il avait mal aux pieds, qu'il se soignait. Voilà. Donc euh, ce n'est pas son fils. Hein. Voilà, ce n'est pas son fils. Ce n'est pas Verny qui a arrêté hein. le commando l'homme fort, c'est Verny. Ce n'était pas Granco. Voilà. Granco, lui, il était souffrant, il avait mal aux pieds. Et l'information dont je vous disais il y a quelques jours, j'avais appris, mais je vous confirme. Voilà, j'ai eu la confirmation du côté de Libéria. Il a été arrêté par la police libérienne. Maintenant, nous ne savons pas maintenant, si vous voyez jusqu'à présent, les bandits n'ont pas fait de déclaration, c'est parce qu'ils n'ont pas encore, on ne les a pas encore. Et transférer ou les donner Granco. Il y a des procédures. Nous savons qu'en Guinée aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Donc, euh, ils vont pas prendre Granco, les donner aux bandits du CNRD. Et nous savons ce qui se passe. Donc, euh, prions le bon Dieu que il ne soit pas extradé en Guinée. Et le Libéria ne doit pas accepter D'extrader Granco du côté de la Guinée, voilà. Donc euh, la famille, pour ceux qui étaient en train de m'insulter tout de suite là concernant la confirmation, voilà. Comme je vous l'ai dit, je viens d'avoir la confirmation que Granco a été arrêté ce soir du côté euh, du Liberia. Et je vous ai dit, il y a Quelques jours, j'apprenais qu'il était souffrant. Vous savez, il a mal aux pieds, qu'il se soignait. Voilà, dans un village. Et moi, je vous donne cette information. J'avais été informé sur ça. Euh... Il est avec la police libérienne et non le CNRD. Voilà. Il est avec la police libérienne et non le CNRD donc euh, tous ceux qui voulaient que la confirmation je vous donne la confirmation maintenant il est du côté du libéria avec la police du libéria et non le CNRD et nous devons je crois les gens doivent tout faire pour ne pas qu'ils soient extradés en guinée voilà et sinon, le CNRD, nous savons, les bandits du CNRD, il n'y a pas de justice en Guinée. Et comme ils ont fait le cas de Sadiba, je crois que les organisations de droits de l'homme, les avocats de PV aussi, doivent tout faire pour ne pas que leurs clients soient transférés en Guinée. Si on doit le condamner, qu'il soit condamné ailleurs, dans une prison ailleurs, mais pas en Guinée. Voilà. Les avocats de Pivi doivent se lever, ils doivent se rendre du côté de, du Libéria et ils doivent tout mettre, ils doivent alerter les organisations de droits de l'homme. On a tous vu le cas de général Sadiba ici. Donc, de ne pas laisser les bandits du CNRD amandouer, tromper la justice libérienne pour rapatrier euh, Grand en Guinée, voilà. Et pour dire à tout le monde, restez tranquille. Ce n'est pas verni. Le celui qui allait libérer son père, ce n'est pas lui qui a arrêté. C'est le père et le père était souffrant. Et comme je vous ai dit, voilà. Nous on avait déjà cette info qu'il avait mal au pied, tout ça. Donc euh, merci à tout le monde. C'est l'information. Je viens d'avoir la confirmation. Euh, il, il ne faut pas qu'il soit extradé en Guinée. Il ne faut pas que Granco soit extradé parce que nous sommes avec M'Gekobina Nous ne savions pas où se trouvent les Foniké Mangé, les Bilo, euh, Bilo et Sadib, le général Sadiba. Nous avons vu la fin du général Sadiba. Et les avocats de, de Granco doivent tout faire, alerter tout le monde sur ce qui se passe en Guinée. Voilà. Euh, Abou Sad Sola. Moi, je vais d'abord, je vais te bannir d'abord. On parle de justice ici. On ne parle pas de quelque chose. Voilà. Le général Sadiba. Qu'est-ce que le général Sadiba a fait? Et on a vu le résultat. Qu'est-ce que les Fonikimangu ont fait? Parce que vous, vous êtes toujours dans l'émotion. Voilà. Vous, vous êtes toujours dans l'émotion. Hein? Vous, vous êtes toujours dans l'émotion. Vous, les bandits. Vous, les délinquants qui parlez là, toi, Alpha ou Mal, là, je vous ai dit, sortez dans l'émotion, ok? Voilà. S'il y a un bandit là, Mamadou Dumbuya, le 5 septembre, vous savez ce qu'il a fait? Fourez dans Mindé, souli et Où sont les corps? Donc, euh, fermez vos gueules à un moment donné. Mamadou ne peut pas juger quelqu'un. Mamadou est un bandit. Voilà. C'est un régime de bandits, de gangsters. Et nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Donc, merci à tout le monde. Voilà. L'information est confirmée du côté de Libéria. Il n'est pas dans les mains des bandits d'abord du CNRD. Il est entre les mains de la police libérienne. Voilà. C'est l'information que je peux vous donner. J'ai eu la confirmation avec deux personnes très importantes pour moi. Donc, je peux confirmer. Voilà. Euh, Pape, la valeur. Nous parlons de Granco. Je vous ai dit, ce n'est pas Vernier, le commando qui a arrêté, mais c'est de son père, qui était souffrant, qui avait mal aux pieds.